reçu le porte-monnaie. On en a pour son argent. Le trésor vous soutiendra durant la partie. Vesper. J'espère que vous l'avez fait payer à vos parents. Merci. Votre boss est le bras long, on dirait. Je n'ai jamais vu une somme pareille sortir aussi vite. Ni avec autant de classe. Je peux savoir où est l'argent ? 10 millions crédités sur votre compte au Monténégro, avec une provision pour 5 de plus, si j'estime l'investissement prudent. Je suppose que vous avez réfléchi au fait que si vous perdez, notre gouvernement sera amené à financer le terrorisme. Qu'est-ce qui vous tente ? Vous voulez dire que ce n'est qu'affaire de probabilité et de risque ? Je croyais qu'il y avait une part de hasard. Seulement si on suppose que la meilleure main l'emporte. C'est ce que vous devez appeler bluffé. Vous connaissez le terme ? Vous devez donc savoir qu'un joueur de poker ne mise pas sur ses cartes, mais sur le joueur d'en face. Et personne n'a de secret pour vous. Rarement. C'est pourquoi je suis à même de déceler des traces de sarcasme dans votre voix. Ça me rassure, notre argent est entre de bonnes mains. Vous dites que ce n'est pas un bon plan, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a un plan. J'avais l'impression qu'on allait risquer des millions de dollars et des centaines de vies sur un simple jeu de hasard. Que devinez-vous d'autre, Monsieur Pond ? Sur vous, Mademoiselle Lynn ? Que votre beauté pose problème ? Vous craignez qu'on ne vous prenne pas au sérieux ? Ça, c'est vrai de toutes les filles séduisantes qui ont un peu de cervelle. Oui, mais celle-ci veut surcompenser en s'habillant de façon un peu trop masculine. Elle est plus agressive que ses collègues féminines, ce qui la rend quelque peu piquante, à vrai dire. Et elle a paradoxalement moins de chances d'arriver à se faire accepter et promouvoir par ses supérieurs masculins, qui prennent son manque d'assurance pour de l'arrogance. Je crois que normalement j'aurais parié fille unique, mais... comme vous n'avez pas relevé ma remarque sur vos parents, je pense miser sur orpheline. D'accord. D'après votre costume, vous êtes allé à Oxford ou l'équivalent. Et vous croyez que les êtres humains portent ce genre de choses. Et vous le faites avec un tel dédain. Je dirais que vous venez d'un milieu modeste, et que vos camarades ne vous l'ont jamais pardonné. Vous devez donc vos études aux bonnes grâces d'une personne étrangère, d'où ce comportement aigri. Et comme vous avez tout de suite pensé que j'avais perdu mes parents, je dirais que c'est vous, l'orphelin. Ah, vous l'êtes. Je commence à aimer le poker. Et ça tombe vraiment sous le sens. Le M6 recrute des hommes mal dans leur peau, qui ne voient pas d'objection à sacrifier les autres afin de protéger le pays et la reine. Vous savez, comme des ex, des services spéciaux, au sourire facile et aux montres hors de prix. Rolex ? Omega. Magnifique. Comme je viens de vous rencontrer, je n'irai pas jusqu'à vous traiter de salaud au cœur de pierre. Non, bien entendu. Mais je peux imaginer sans peine... que les femmes représentent plus pour vous des plaisirs à la chaîne que des objets de conquête. Alors si charismatique que vous soyez, Monsieur Pond, je compte bien veiller de près sur l'argent du gouvernement, plutôt que sur votre exceptionnel petit cul. Vous avez remarqué. Même les comptables ont de l'imagination. L'agneau était bien ? Crié. Et je compatis. Eh bien, bonsoir, Monsieur Pond. Bonsoir, Mademoiselle Lynde.